Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, on vient à peine de terminer les GoForce, on les a terminés il y a peut-être une heure. Alors, je voulais vous en parler un petit peu, comme d'habitude, je fais un débrief sur les GoForce depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois en fait, donc... Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un peu chiant parce que je vais râler un petit peu, histoire que vous soyez au courant, et peut-être que ça reviendra à l'équipe qui s'occupe un petit peu de l'ESL, ou tout simplement, peut-être que, je sais pas, il y en a d'autres à qui c'est déjà arrivé ou quoi, mais aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du manque d'organisation et de ce qu'on a vécu en GoForce pour la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois qu'on joue et on a déjà eu deux fois des problèmes en fait. Alors je vais vous parler de la première GoForce qu'on a fait, donc très bien, on a fait deux victoires, une par forfait, l'équipe se présente pas, ils nous disent on peut pas jouer, ils confirment pas le résultat du match, c'est la grosse galère, on se rencarde avec les administrateurs, on ouvre un ticket, on gagne par forfait. On joue contre la Haven qui est une excellente team française, de l'opposition, une belle victoire de notre côté, du beau jeu des deux côtés, c'était vraiment cool. Donc je tiens quand même à faire une petite dédicace au Haven, à les saluer, c'était vachement agréable de jouer avec vous, et puis si ce n'est que pour Prac ou jouer ensemble, ça sera toujours un plaisir de vous accueillir sur le TS, c'était super cool. Ensuite, on avance, on tombe contre les Gummy Bears Band, un truc du style, donc une équipe ESL qui est quand même relativement costaud, on joue contre eux, on se fait prendre les deux premières manches et tout, donc je vous avais publié des highlights un petit peu, et puis ça commence à chauffer, pendant la phase de préparation sur la 3 ou 4ème manche, je sais plus, parce qu'on était en train de retake les rounds, ça se passait plutôt bien de notre côté, on a eu une déconnexion. Donc on a CJ qui a planté, et là à ce moment-là, moi je demande un rehost. On s'était mis d'accord, on a le droit à un rehost de chaque côté. Pas de problème. Les mecs ils nous disent non, allez vous faire foutre, pas de rehost, vous vous le mettez au cul, et puis de toute façon, comme vous avez une déco, on prend un round. Donc les mecs ils voulaient nous je sais plus, on était en 2-1, ils voulaient nous prendre 3-0, c'était un truc complètement dingo. Et puis du coup moi j'ai cancel le match, j'ai dit non on joue plus contre eux, j'ai ouvert un ticket, j'ai râlé, je leur ai dit attendez, vos bonhommes là en face, donc j'ai écrit un ticket aux administrateurs ESL, j'ouvre une réclamation, je leur dis vos bonhommes là, non seulement ils jouent avec une line-up qui est même pas enregistrée sur l'ESL, ils ne jouent pas avec l'ESL Wire alors que nous on s'est cassé la tête à ouvrir le Wire anti-cheat, à le lancer via justement, à lancer le jeu via l'ESL Wire et puis à lancer Moss à côté, et je dis, et vos bonhommes, là, ils le font même pas, il y a personne qui est sur le SL Wire, il y a rien, ils essayent de nous prendre un round, ils veulent pas rehost et tout, j'envoie tous les screenshots, et l'admin, il me dit, oui, mais non, en fait, moi, j'ai pas le time, donc vous reprenez le match à 3-0, et puis basta, putain, on finit le match, on perd, laisse tomber, c'est la galère, bon, ok, on se dit, c'est la première fois, c'est pas très sérieux, bon, c'est pas trop grave. Aujourd'hui, on rankit sur les GoForce. Donc aujourd'hui, on rankit sur des GoForce. Premier match. Exceptionnel, super, on gagne 5-2, performance hors norme, on s'est vraiment bien éclaté, on était solide contre les FYK que je salue aussi, qui était une team plutôt respectueuse et tout en face, on leur a mis 5 petites étoiles, comme ça, on était gratinés, on leur a donné. Et non, très propre, du beau jeu des deux côtés, etc, machin et tout, on arrive à prendre la victoire 5-2, aucun problème. On tombe, deuxième match, contre les DP. On tombe sur Oregon, une map qu'on n'a absolument pas bossé, mais on s'arrache. Je vous publierai quelques highlights tout à l'heure. On s'arrache, on se donne vraiment du mal, on arrive à leur prendre 6-5. Boum ! Yeah ! Victoire, GG, tout. Je rentre sur le SL Wire, je rentre les résultats, je mets 6-5, je dis félicitations les gars, c'est nickel, vous avez tous joué. Mais un beau jeu du côté de la TI aujourd'hui, c'était extraordinaire, j'ai vraiment kiffé, c'était des GoForce propres. On prend du niveau en termes de teamplay et ça me plaît. Autant la première fois je vous avais dit qu'on galère un petit peu sur la com, sur des moments de fear, d'hésitation, etc. Aujourd'hui tout le monde a été très solide et on a eu une équipe qui nous a vraiment donné du fil à retordre. Les DP étaient vraiment sérieux et ça c'était waouh, c'était cool quoi, la victoire est vraiment méritée. Il y avait énormément de challenges, donc on prend 6-5 et on doit jouer contre les SPDF. Voilà, donc la team Afofiopat, que je salue aussi, ton boulot, tout ça, j'adore ton commentary, c'est pareil, et on était très contents de pouvoir jouer contre vous. Mais, tonton Whitechair, qu'il a fait une bêtise, il a renseigné 6-5 pour les ennemis. Et ça, c'est un problème. Donc du coup, c'est eux qui étaient gagnants et qui jouent contre les SPDF, voilà. J'ai tout le temps envie de dire SFPD, mais c'est pas ça, je crois que c'est FSPDF. Voilà. Et là, j'ouvre un ticket, je dis à l'ennemi, waouh, je me suis trompé, pardon, excuse-moi, tiens, voilà tous les screenshots et tout, si tu veux la vidéo, il n'y a pas de problème, on a gagné, regarde, tiens, 6-5, je vous ai même publié les résultats sur Twitter. Et là, l'admin en question, il me répond, alors déjà, le premier message, un truc de ouf, il me dit, non, va te faire enculer, la prochaine fois, tu feras attention. Ce qui n'est pas totalement faux non plus, j'aurais vraiment pu faire attention, c'est pas sérieux de ma part. Mais les ennemis en face ont fait l'effort de renseigner le score correctement, donc ils nous ont déclaré gagnants, nous on s'est déclaré perdants sans faire exprès. Bon,
là, tu te dis, ok, c'est un peu compliqué. Alors du coup, eux, ils font l'effort d'ouvrir une proteste de l'autre côté, ce qui est absolument noble de leur part, et j'ai pas compris, ils pourraient tout à fait jouer à malhonnête et puis nous dire, non, voilà, au final, on a gagné, machin et tout, ce qui n'a pas été le cas. Donc là, on se rencarde avec un deuxième admin ESL qui nous dit, ah ouais, ah bon, d'accord, très bien, bah, uploadez tous les fichiers. On upload tous les fichiers, tous les rounds, les victoires, les machins et tout. Round 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires. Donc ça, c'est fait en 8 rounds. Et là, les mecs en face, ils nous disent oui, mais en fait. Alors, il parle à l'administrateur. Hein, il dit à l'admin ouais, mais en fait, on a trouvé que les gars, ils cheataient en face. Donc, il parlait nous. Apparemment, on... Putain, mais c'est une déferlante de bécane dans ma rue. C'est un truc de ouf. Ouais, donc et les mecs en face, ils nous traitent de tricheurs. Ils nous disent, oui, mais vous savez, ESL admin machin, les TI ont été très bizarres en face et tout. On aimerait bien les fichiers MOS de tout le monde. L'admin, il fait, ouais, ok, pas de souci, vous avez 5 minutes pour me réunir les fichiers. Donc à l'annonce de la défaite, j'ai des membres qui se sont barrés un petit peu, machin et tout. J'arrive à rappeler tout le monde, on envoie les fichiers MOS, il n'y a pas de souci. Jekyll, il galère un petit peu avec l'upload. Les 5 minutes, elles passent. Vous êtes disqualifiés. Ciao, au revoir, bye bye. Oh putain, alors là, franchement, ça fait la deuxième GoFor qu'on fait, on a déjà tellement de problèmes, là ça commence un petit peu à me saouler, donc je voulais absolument partager ça avec vous, c'est un petit peu compliqué comme ça, je sais pas trop quoi faire, quoi dire, en même temps, c'est un peu de ma faute aussi, parce que j'ai mal renseigné les résultats, mais bon, à un moment donné, l'organisation, l'ESL, les admins et tout, enfin c'est un peu compliqué quoi, le mec qui m'envoie chier parce que j'ai mal rempli les résultats quand même, alors oui, c'est vrai tout à fait, mais t'es un admin de l'ESL, c'est un résultat à inverser, donc à un moment donné, bon, c'est un peu compliqué quand même, mais comme je suis quelqu'un d'assez cru qui mâche pas mes mots, moi les mecs, j'aurais été à la place des mecs en face, les mecs ont gagné, ils ont gagné, voilà, c'est pas grave, même si derrière, ça m'étonnerait parce que mon équipe est vraiment respectueuse et j'essaie de la construire comme j'essaye de construire ma communauté YouTube, propre, respectueuse, fair play et puis un gros niveau, et non, mes alliés auraient dit pas de problème, ils ont gagné, on n'aurait pas forcé dans le sens inverse, mais quelque part les mecs ils font un peu les gentils et puis après ils essayent de te la glisser quand même dans l'anus, tu sais, histoire de tiens, regarde, je te l'ai mise, mais je touche pas les bords, il n'y a pas de problème. Donc, avec les fichiers MOS et compagnie, c'est un peu compliqué. Donc, ça me fait chier, mais voilà, c'était deux très belles victoires. Ça m'énerve un petit peu de ne pas avoir pu pousser plus loin. À chaque fois, on passe devant les quarts de finale et compagnie, mais bon, c'est. On a gagné, mais on a perdu. C'est un peu triste à dire, c'est un peu ambigu, mais c'est con. Bon, les gars, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires et puis à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis moi, je vous laisse avec quelques highlights de ces parties qui ont vraiment été costauds du côté TI et dont je suis très fier aujourd'hui. Régalez-vous, prenez du plaisir à regarder et puis on se retrouve très très bientôt pour un Dans la peau du requin, suivi d'un clip des abonnés et puis peut-être un guide sur la manière de piquer et de décaler les adversaires. J'essaye vraiment de vous aider le plus possible au fur et à mesure que je m'améliore et que je prends du niveau. J'espère que ça vous servira et j'ai bien noté que les highlights trop réguliers, ça vous faisait chier. Voilà les gars, c'était White. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. 40 serveurs. Ça tape sur B moi. Fenêtre B. Mira, tu gardes. Faut que tu regardes mon dos. Hein. Ah, c'est pour ouvrir la porte. Merde. J'ai un thermite ici. Je sais pas s'il est seul. J'en soutiens avec Ivana. Dernier remplacement de thermite. Décisif extérieur pour armurier. Fenêtre CCTV mec. T'as tir mort. Dans le way, t'as plus de clos. La flash elle venait de la porte CJ. Non, elle venait de fenêtre armurier. Je vais tenter une sortie pour. XT, CCTV. Non, thermite ici. Maintenant il est là. Sur ping. Il pose. Pas de thermite, j'ai le def. Ça tape, fenêtre B.
On tourne, j'ai le smoke. Putain. Tu vois que ça rentre dessus, tu me dis. Ouais. Ici TV, y'a du monde. Non, c'est dur. Y'a un drone qui est passé sur B. Switch, monsieur, switch avec moi. Attention, il a la décale-fenêtre. Je suis sur la fenêtre B. Ok, nice. Il est passé à droite. Ah, la trappe CCTV. T'arrives à retake ou pas? Permite. Capitao, diffuseur au top. Il est mort, bébé. Diffuseur au top. Bonjour, grand. Okay. Vas-y! Sur CCTV, les gars! Hôtel avec vous, les gars! Bien! Pas de soucis! IQ! On est au bureau des visas! Il arrive me chercher! Il est là, sur moi! Taïbana couloir! Qu'est-ce? Il y a encore? Ouais, ouais, ouais! Elle était passée! Sur Pin! Le diffus est extérieur B. La black door, fais gaffe à gauche. Fais gaffe, t'as. Il était là. Ok, il a pu bouger, mais. Allez, 39 secondes, les gars, vous temporisez. Buck. T'as vu du tunnel? Non, mais c'est un drone. Reçu. Troisième drone déjà. Attends, j'ai un smoke. Non, non. Pour l'instant, non, pour l'instant, non. J'essaie de caler un drone. Blackburn, derrière. À l'arrière, les gars. Cours. T'as un mort tunnel. T'es tué ta tueur, les gars. Bien joué. Tunnel, tunnel, tunnel. Faut aller renfort, faut aller renfort. Au fond du tunnel, thermite. Je lâche pas, les gars. J'y retourne. Grand tour. SK, du monde. Ouais, SK, je confirme. Allez les gars, on les délie. Il est ici, allongé. 50 secondes à tenir, les gars. Tranquille. Ping, j'ai pas d'info, CJ, ici. Attention, j'ai entendu du bruit. Tunnel, ça s'est peut-être rapproché. Grande tour. Ouais, ça s'est rapproché. Affirmatif. Lâche pas A, lâche pas A, ma poule. Ouais, tunnel, j'ai du monde. Sur ping. Tempo, 20 secondes, tempo. La Mira, Mira. Twitch, devant toi, devant toi. Ibana, devant toi, CJ. Ah, je l'ai eu, je l'ai eu. Il est au sol, normalement. Il est au sol, le thermite. Du 1v1. Bien joué. Doc. Passe de toi, ça donne, Jackie. Il passe.
Fenêtre B, en masse. Au moins deux. Blackburn. Dernier, j'ai eu des tirs. Termite down. Devant la fenêtre A. Mort. Bien joué. Belle. Il faut absolument taper B. Vas-y, vas-y. Go B. Go B, go B, go B, go B. Go B. Merde, je suis tombé. Avec leur crabe de merde. Je plante. Vas-y, go B. En train de planter. Plante B. En train de planter. Non, c'est moi, Kay, c'est moi. Générateur, contrôle générateur, arrêtez de piquer.